paix et joie, shalom, shalom. Que la paix et la joie de Jésus demeurent toujours en toi, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un excellent matin dans la grâce et dans la présence de Dieu. Nous allons lire la première lecture de ce matin, tirée du premier livre de Samuel au chapitre 1. C'est Anne qui priait. Anne, c'est la maman de Samuel, du prophète Samuel. Elle priait dans le temple lorsqu'elle était stérile, lorsqu'elle n'avait pas encore enfanté. Et elle disait, Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alors, la réponse à cette prière, c'est le prophète Élie qui va lui dire, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Alléluia, alléluia. Elle s'en alla, elle se mit à manger et son visage n'était plus le même. Mon frère, ma sœur, je prophétise cela pour toi ce matin. Je prie que ton visage ne soit plus le même. Je prie que là où tu ne pouvais pas t'asseoir, ou là où tu ne pouvais pas manger, là où tu ne pouvais pas te tenir devant les gens, là maintenant que tu puisses te tenir devant les gens, que tu puisses être souriant, que tu puisses être guéri, que tu puisses être debout sur tes pieds dans le nom puissant de Jésus. Et que ton visage ne soit plus le même à partir d'aujourd'hui, comme c'est accompli dans la vie de Anne, qui a eu après Samuel et d'autres enfants. Elle qu'on appelait la stérile, elle a enfanté encore plusieurs fois après dans le nom de Jésus. Dieu lui a non seulement donné le fils qu'elle demandait, mais il lui a ajouté encore d'autres fils. Que cela soit ton partage, toi qui prie pour la fécondité. Que cela soit ton partage, toi qui prie pour avoir une progéniture. Au nom de Jésus, qu'en 2024 que tu puisses découvrir cette grâce. Qu'en 2024 que tu puisses entrer dans cette bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous le scellons maintenant dans le cœur sacré de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie. Alors en te souhaitant bon matin pour la fécondité, que cela soit ton partage, toi qui prie pour avoir une progéniture. Au nom de Jésus, qu'en 2024 que tu puisses découvrir cette grâce, qu'en 2024 que tu puisses entrer dans cette bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Et nous le scellons maintenant dans le cœur sacré de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie. Alors en te souhaitant bon matin, nous allons prendre ce cantique magnifique. C'est le Magnificat en Wolof. Alors nous allons dire Chimborombi Sumayala, Sumafit Animagal Borombi, Alléluia. Sumafit Animagal Borombi, Sumahol Fesna Bane, Chimborombi Sumayala. Est-ce que tu es en train d'écouter les paroles? Soumofit angimagal borombi. Soumohol fes na akbaner. Yal na sohol fes akbaner. Yal na sohol fes akmbekte. Yal na sohol fes ak aichant. Yal na sohol fes di magal borombi. Alléluia. Soumofit angimagal borombi. Wow, suma khol fes na bane chibombi suma yala narte fateli kunama manja mambu way of me gana si tei ni tu jamono ye pa wal dina nyu ma wo ki nyu barkel bemos su ma fita gi magal bombi
toutes les générations me diront bienheureuse. C'est la Vierge Marie qui le dit, remplie du Saint-Esprit. Elle a chanté le Magnificat. Alors nous, nous sommes la génération qui la proclamons bienheureuse, qui la proclamons magnifique, qui la proclamons sainte, qui la proclamons bienheureuse, remplie de grâce. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi. Alors je vois Seigneur que tu remplis de grâce les personnes qui nous écoutent. Tu remplis de grâce les mamans dans leur foyer, particulièrement ceux qui cherchent la grâce de l'enfantement. Alors recevez cela dans le nom de Jésus. Narte kurei ki defal nama lurei turam da fasela dei wache yaman dem chini koraga wao chi se nisat ba chi se nisatat. On va le redire encore. Narte kuma ki defalna ma lurei turam da fasela dei wache yaman dem chini koraga wao chi se nisat ba chi se nisat. Est-ce que tu as entendu cette parole? Alors ceux qui craignent le Seigneur fait une alliance avec eux. Et le Seigneur répand sa bénédiction sur eux, jusque sur leur descendance. Alléluia. Cette parole est une parole forte que la Vierge Marie a déclarée. Et cela s'accomplit pour nous. Cela s'accomplit pour nous par l'alliance du sang de Jésus, par l'alliance du sang de l'agneau, par l'alliance du sang de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes bénis, nous et notre génération. Lorsque tu t'attaches à Jésus, tu entres dans cette nouvelle alliance. Et toi-même, tu es béni. Et toute ta génération, toute ta descendance est bénie. Alléluia. Sous ma fit angi magal borombi tejile sumaro fesnagbane Chiborombi Sumayala. Que le Seigneur comble cette journée. Que le Seigneur remplisse cette journée de sa faveur et de sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.